Salut les gens, alors je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. Bah, comme vous le voyez, vous êtes dans mon laboratoire. Et en fait, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour deux choses. La première chose, c'est que déjà, vous êtes 371 aujourd'hui. Vous êtes abonné sur ma page YouTube. Et ça, j'en suis super content. Ça veut dire que ce que je fais, ça vous plaît un petit peu. Et ça, c'est cool. Deuxième chose, c'est que je suis dans mon nouveau labo. Donc, je ne vous ai encore pas fait le tour du propriétaire, mais ça ne serait tardé. En fait, il est filmé. Voilà, pour rien vous cacher, c'est filmé, c'est pas monté, donc je sais pas quand est-ce que ça va sortir, si ça va sortir avant cette vidéo ou après, j'en sais rien du tout. Donc là, Alderst 138, bon aujourd'hui, c'est pas celui-là qu'on va utiliser, ça va être autre chose, parce que j'ai une petite commande, j'ai une photo à faire, d'une commande un peu particulière, ça va être la 8 sur 8, c'est le tournesol que vous connaissez peut-être si vous me suivez un petit peu sur Instagram. Donc on va faire le tirage là aujourd'hui sur du papier Tura. Vice mat, c'est du Vice mat, c'est un papier blanc Tura relativement ancien, et donc je vais faire un tirage exceptionnel pour une commande un peu spécifique que l'on m'a demandé. Donc on va faire ce tirage ensemble. On voit la musique, vous me verrez danser, vous me verrez dans mon élément quoi, en fait, en train de tirer. En fait, j'adore tirer quoi, c'est ça le problème, c'est que j'adore tirer. En parlant de musique, vous allez être un petit peu surpris au niveau de la musique. En fait, j'ai pas les droits de la musique que je passe. J'écoute en ce moment, j'écoute du M. Après avoir écouté beaucoup de TFN, j'écoute du M. Bon, parce que voilà, j'adore, j'aime bien ça. Donc je chante, je danse sur du M. Mais malheureusement, j'ai pas les droits pour la vidéo YouTube. Donc je sais pas du tout comment ça se passerait si je les mettais. Je sais pas du tout en fait. Ce qui risque de se passer si je les mets. Donc vous aurez peut-être une pauvre petite musique d'ambiance lors de mes péripéties photographiques. Mais voilà, c'était juste pour le. C'était juste pour le signaler quoi. Sélectionner le négatif, je savais très bien ce que c'était.
On va le nettoyer un petit coup. Donc c'est le tournesol, hein. Comme vous savez, c'est une photo que j'ai faite en été 2022, qui est, c'est le 8e tirage que j'exécute. En fait, moi, quand je vends mes tirages, j'en vends 8 exemplaires. Voilà, c'est pour ça. Ça va être le 8e, donc c'est le dernier. Donc ce tirage, c'est pas la peine de me demander, mais il sera plus avant. Voilà. Moi, il m'a rapporté suffisamment. Et en fait, j'en ai offert un de tirage. Un sur les 8. Alors, j'utilise toujours mon Durst. Mon Durst 600. Sans qu'il y ait dedans. Donc, on va commencer à faire la mise au point. Donc, je vais arrêter de vous parler pour pouvoir préparer tout ça. Allez. Ah, je pense que je vais vous trouver une musique sympa. Regardez. Rolling up over black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back, wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, Casamigos to the face. Baby, I don't need no space, coming closer for a taste. And I'll show you how I make it. Everything just fade away, cause she's like sex, drugs, cocaine, vice, so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby, game, here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. Cause she got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, Casamigos to the face. Baby, I don't need no space, coming closer for a taste. And I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, vice, so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby, game, here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Donc voilà, après lavage complet des tirages, en fait des deux tirages, hein, on va les sortir, on va les essorer. En fait, ils ont passé, alors pour vous expliquer rapidement, ils ont passé à peu près 3 heures de lavage dans l'eau, hein, c'est du barité, hein, c'est un sort de barité. À peu près environ 3 heures de lavage dans l'eau courante, un tout petit filet d'eau qui courait. Et après, c'est resté jusqu'à maintenant, hein, en fait on est le lendemain, fin d'après-midi. Maintenant je vais m'en occuper, on va les essorer et on va les mettre à sécher. Première, hop, je les goûte. On les goûte quand même pas trop mal. Allez, c'est parti. On va les positionner là. Alors, on va faire doucement pour les essorer. Hop.
pas l'abîmer. Hop, premier essorage réglé. Voilà. Ouais. Après, je la mets à l'envers. Alors, pourquoi je la mets à l'envers? Parce qu'en fait, on va faire ce qu'on appelle un glaçage à froid. J'ai appris une technique, j'ai appris la technique là il y a quelques années déjà, et c'est assez intéressant. Après, il faut avoir une vie très bien. On les sort par contre super bien, on appuie bien dessus. Ce que je fais, moi, je prends une cuvette et l'eau en trop, on la jette dedans. On n'y touche plus, on la laisse comme ça. On va prendre la deuxième. Et on va faire la même opération et je redresse la plaque et on la met. Donc, là on rejette un coup d'œil. Alors le grain, je ne sais pas si vous voyez bien comment ça fait. C'est un papier ancien. C'est un papier ancien. Il est. Je sais pas si ça va plaire. Franchement, j'ai un doute. J'ai un doute. Mais bon, on va la sécher et je la montrerai à ma cliente pour voir si ça lui plaît ou pas. Et sinon, bah, je referai un autre tirage en quelque chose que je maîtrise mieux, de l'île Ford ou quelque chose comme ça. Allez, ce coup-ci, on appuie dessus. On la plaque. Hop, ça là. C'est sur les plaques de verre, donc on va les laisser comme ça. Dans le labo, j'ai un certain nombre de degrés. Je dois être à 18 degrés là aujourd'hui, à cette heure-ci. Donc, c'est pas mal. Et puis maintenant, bah, on va laisser sécher. Je pense que. On peut pas revenir avant demain matin. Voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà les deux photos et on reviendra ben, plus tard. Notamment, je pense, demain matin pour voir un peu ce que ça a donné au niveau séchage. Le séchage est terminé, donc maintenant on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, voilà un petit peu ce que ça donne par rapport au tirage que j'ai effectué donc hier. Voilà un petit peu ce que ça donne. Alors, je sais pas si vous voyez bien le papier, comment il fait. Son grain, il est assez particulier quoi en fait. Et je sais pas, j'ai un doute. Elle est belle, je la trouve très belle, mais. J'ai un petit doute et voici le tirage que je vais encadrer en fait. Donc voilà celui qui va être fait. Donc je sais pas si vous voyez bien, mais je trouve plutôt pas mal. Donc
Là, la fin de cette vidéo, la photo est encadrée, prête à être livrée en fait. Bien, moi, elle me plaît bien dans ce style-là. Après, le papier-là n'est pas forcément le mieux pour faire ce type de choses. Je pense que je le réutiliserai plutôt en architecture. J'espère que cette petite vidéo, parce que je pense qu'elle sera assez longue, cette vidéo vous aura plu. Bah, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, surtout, n'hésitez pas, abonnez-vous. Hein, quoi. Mettez un petit pouce bleu, mettez un commentaire, j'aime bien y répondre en commentaire. Parce que des fois, on a des choses, on est quand même assez surpris. Un petit coucou pour le Chili. Je pense qu'il se reconnaîtra. À la prochaine. Et faites de la photographie et faites du tirage. Salut !